T'es qui toi? Tu me reconnais pas, Marais, un peu famille? Ah non, je te connais pas. Et putain, qu'est-ce que je fous ici? Espèce d'abruti, je vais te dire ce que tu fous ici. Toi, t'es pote avec Abdallah Timboisard. Et ce mec-là, il se trouve qu'il a tué mon frère il y a quelques années. Et alors? Je laisserai pas passer ça. Je traîne pas avec lui, il est défeuillé. Tu te fais de ma gueule en plus. Je vais te dire un truc. Pour moi, Cassia, Feuillet, tout ça, c'est la même merde. Ton pote, là, il a tué mon frère. Ah ouais? Moi aussi, t'es dans l'histoire. Ouais. Alors, ne dis pas! Mais moi, à l'époque, les sales français, là, de merde, comme toi, on les emmerde, on les nique. Un mec comme toi, dans la cité, on le nique! Oui, c'est ça. Tu niques. Ok. Tu niques, ouais. Là, t'as vu le tel, ouais. Ok, toi et tes potes, vous avez niqué mon frère. Mais là, maintenant, c'est à mon tour. C'est clair? Oh, fais gaffe. Comment?
moi je rigole pas. Si tu veux pas que je te circoncise une deuxième fois, t'as intérêt à me dire oui. Parce que là, je te jure, c'est pas l'envie qui m'en manque. Pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas une balance. Et... J'insiste. Non, déconne pas. Ok, ok. Ok. Il est au feuillet. M'as-tu mandé? Il traîne avec ses potes. Je te préviens. Si tu vas, ils vont te buter. Et tu vois quand tu veux. Le reste, c'est un sapon. Hey. Voilà. Ah, attends, j'oubliais. Quoi? La mémoire de mon frère. Tout a commencé en mars de l'année 1994. Tout a commencé avec une série de crimes faisant couler le sang dans une cité, dans une rame de métro, puis dans une zone industrielle désaffectée. Une enquête est ouverte. Même tueur? On ne sait pas. Un motif? Oui, un. La vengeance. Tu vois cette pauvreté, cette misère, cette délinquance, c'est malheureux. C'est vrai, c'est l'effet banlieue. Ouais, mais moi c'est pas ce qui m'inquiète le plus, Amar. Il y a un fou furieux là qui traîne dans les rues, et nous on n'est pas capable de l'arrêter. Il y a tellement de salauds dans cette cité, ça en devient un vrai casse-tête. T'as peut-être raison, mais on veut pas rester là, ça craint. On va aller au commissariat, on va voir le commissaire. On va voir ce qu'il y a à nous dire à propos de cette affaire-là. Allez, allons-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est une belle veste de costard qu'on a là. Et ben 450 francs, s'il vous plaît. Et voilà pour vous, 50 qui font 500. Merci. Je vous l'emballe? Non merci, je vais la mettre tout de suite. D'accord, très bien. Merci à vous. Avec plaisir, très bonne journée. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. 295 francs. Merci. Oh là, mais il est généreux là. Hein. Au revoir, merci. C'est en empruntant la ligne 12 pour regagner son domicile que Paul Bastien commet un nouveau meurtre. La victime est un pickpocket qui eut le malheur de s'attaquer à lui. Yves, j'avais le commissariat du 18ème, là, je viens du métro, là, il y a un mec qui s'est fait assassiner. En plein dans la cabale de Bastien. Ça tombe pile, non? Hé, hey, je t'ai déjà dit de frapper avant d'entrer. Et puis arrête de m'emmerder avec Bastien. Son frère est mort, il a disjoncté, et puis basta. Ça fera un acte de plus aux acacias, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais un acte de plus aux acacias, passons. Mais là, un meurtrier, là, Yves, non? Je suis désolé, non?
Bon, il y en a marre de cette délinquance, de ces règlements de compte dans ces cités. Ok, mais là c'est plus grave. Le mec qui s'est fait descendre, il est totalement étranger à la cité des Acacias. Il s'est fait descendre sur la ligne 12. Je te dis que ce mec-là, il rôde et il tire sur tout ce qui bouge pour venger son frère. C'est un psychopathe, c'est un haineux. Et t'as des preuves? Mais putain, Yves! Tu fais exprès, ça tout colle, là! Qu'est-ce que tu veux de plus, là? Mais dans ce cas-là, démerde-toi, j'ai pas que ça à foutre que de m'emmerder avec un psychopathe! Merde! J'ai chié, putain! Ah, t'as marre, hein? Ça fumait, là! Ras-le-bol de ces mecs, là! Casse les couilles, là, Rania! Ça suffit comme ça, maintenant, hein? Pas vrai, ça, non? Ah, la vache! Dans la journée, l'inspecteur Ragnar se rend à la cité des Acacias dans l'espoir de retrouver le tueur. Faites-moi monter l'inspecteur, là, Calère et Amar, merci. Entrez. Asseyez-vous. Ça commence à aller trop loin, cette histoire, hein. Donc, Amar, je vous retire l'affaire. Mais pourquoi? Oui, je vous retire l'affaire. Pourquoi? Parce que Ragnar, hein, il s'est bien fait descendre tout seul, la cité, vous étiez où? Dans la voiture, vous l'avez laissé? C'est inadmissible. Hein, il y en a ras de bol. Alors son frangin, là, chez les fous, là, il s'en va, hein, il se sauve, et maintenant on est encore dans la merde, 7 ans après, ça commence à bien faire. Donc, quelle air, vous y allez les Acacias, il y a une enquête approfondie, quelque chose de sérieux, et je veux des résultats, hein, parce que le préfet m'appelle, il y en a ras de bol. Vous pouvez dégager, c'est, il y en a marre. T'aurais pu faire ton boulot, j'ai dressé dans la caisse. À ce temps-là, Ragnar serait toujours en vie, et moi, j'aurais pas à poursuivre cette putain d'affaire. Merci, Lamar. Ça s'est passé très vite. De toute façon, si tu passes cette affaire, t'as qu'à demander à Peretti. C'est Peretti qui se charge de la presse, et c'est moi qui suis chargé de l'enquête. Comme si je n'avais que ça à foutre que de courir après un détraqué qui vient de foutre la merde à cause d'une affaire classée. Mais oui, cette affaire est bien classée. Si nos fonctionnaires n'étaient pas trop corrompus par la pègre, on n'en serait pas là. Les assassins de Bastien seraient arrêtés, l'autre dingue serait encore à l'hosto. Tu vois, ce qui me chiffonne le plus, Amérard, dans cette affaire, c'est que t'es plus dans le coup. C'est pour ça qu'on t'a déchu de l'affaire. Et ça suffit. D'ailleurs, c'était bien, c'est plus qu'un collègue, c'est un ami.
Je suis parrain du petit dernier. Bon, de toute façon, Amar, c'est pas toi qui l'as tué, Rania. Hein. Bon, il faut que je m'en aille maintenant. À plus. Hey, Fabien, il va arriver ou quoi là? Tu l'as appelé? Bah, plusieurs fois, oui. Plusieurs reprises. Ouais, tu sais quoi? Et va chercher les armes dans la cave. Vas-y, moi j'ai pas confiance, hein, sérieux. Ah, c'est bon, calme-toi, il va arriver. Il n'y a pas 30 secondes non plus, quoi. Je sais qu'il y a le taré derrière, mais. Ah, attends, je crois qu'il arrive. Coach! Tiens, là, ça piote, là. Putain. Alors, putain, qu'est-ce que tu fous? Qu'il arrive, il est ouf. Ah, alors, deux minutes, j'ai une minute, le mec, ou quoi, là? Eh, où oh, il est Aziz, il est où? Oh, il est où, Aziz? Eh, hey, Pedro, hey, c'est bon, hey, c'est bon, détends-toi, c'est bon, ça va arriver dans quelques secondes, c'est bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quoi. Bah, qu'est-ce que t'en sais, Fabien, tu sais pas qu'il y a un mec qui veut tous nous fumer, là, ou merde, ou quoi? Bah, je sais très bien qu'il y a un psychopathe dans le secteur, espèce de connard de merde. Retire, c'est bon, ça va, hey. S'il y en a qui essaient de nous niquer ici, t'inquiète pas, on va te fumer. Oh, c'est nous qui contrôlons la cité. Oh, c'est chez nous ici. Ouais, il a raison. C'est clair. Tu rigoles ou quoi? Et Abdel, c'est... Il sait les faire, hein, c'est un tas, mec. T'es qu'un peureux, toi, vas-y, allez. Mais allez vous faire enculer, les gars. Allez vous faire enculer, les gars. Allez vous faire enculer. Putain, mais arrêtez un peu vos conneries, putain. Y'a personne qui va niquer personne ici, oh. Hey, si Aziz s'est fait fumer, oh, le mec, t'inquiète pas, nous, on va le niquer. Y'a personne qui va nous baiser ici. C'est clair et net. On est les plus forts, c'est chez nous, oh. Même les flics, on les nique. Oh, on les nique. On les fume tous. On nique tout le monde, on s'en bat les couilles, oh. On est baisse. Mais faut déjà s'occuper de l'autopsychopathe, là. On va s'en occuper, t'inquiète, va chercher les armes. Va, dépêche-toi. Allez, c'est parti. Paniquez, bande de bâtards! Raté. Rentre. Tiens, je te donne 2500 francs. 1000, 2000, 2500. Voilà. Et alors, là, je te donne un pourboire pour le déplacement. Ça te convient? Bon, maintenant casse-toi, ne reviens plus dans le secteur. Trouvez juste ce qu'il faut de nature et de minéralité. Au minéral Valvert, l'eau à l'état sauvage. La première fois que je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Elle avait le grand air bagopel, des renforts latéraux, la direction assistée, le freinage ABS.
la nouvelle Opel Corsa était entrée dans ma vie et rien ne serait plus jamais pareil. Nouvelle Opel Corsa, aucune voiture ne m'avait fait ça. Jusqu'au 30 avril, la nouvelle Opel Corsa démarre à 44 900 francs grâce aux offres cumulées du gouvernement et d'Opel. Et surtout, pour en profiter tout de suite, Opel vous avance votre participation à des conditions Comment définir l'essence d'un homme? Difficile à dire. Je sais, une super soirée, moi. Je le reconnaître quand je suis dans ses bras. Ça va pousser. Brut, l'essence d'un homme. Un jour, vous y viendrez. Bonjour, vous récupérez vos billets? C'est 1500 francs. Après cette série macabre, l'inspecteur Keller refile l'affaire à l'inspecteur Peretti, qui la délaissera au plus vite. Police! Oui, bonjour. Bonjour, madame. Vous connaissez un certain Paul Bastien, s'il vous plaît? Bastien, ça me dit quelque chose. Un certain Bastien, mais il s'appelle Alain. Vous savez que ce monsieur est décédé dans des conditions très tragiques? Oui, je sais que ce monsieur est mort, mais mon frère le connaissait bien. Comment s'appelait votre frère et que faisait-il avec lui? Il jouait au foot sur le terrain à côté. Vous savez que Alain avait un frère et qu'il était connu de nos services? Par contre, je ne savais pas qu'Alain avait un frère, mais il avait eu quelques problèmes dans la cité. Il était impliqué dans des histoires de trafic de drogue. Oui, voilà, en effet, il traînait avec les voyous, il allait, il venait, un peu comme ça. Écoutez, Paul, le frère d'Alain, est impliqué dans des histoires de meurtre. Je vengeais son frère. Écoutez, quelques crimes ont été commis dans la cité. Si vous constatez quelque chose, vous n'aurez pas à nous contacter. Bonsoir, inspecteur Nicolas Peretti, j'ai quelques questions à vous poser. Vous connaissez Paul? Vous connaissez Alain?
Putain, c'est pas des flèches!